Et bien salut à tous, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une vidéo qu'on va faire le petit tour de peine comme je vous l'avais dit. Avant ça, je voulais vraiment remercier tous les agriculteurs qui m'ont permis de filmer cette année. En commence Florian, Augustin, Camille, Christophe. Je vous remercie tous. Même il y a Jean-Philippe et tout. Je vous remercie vraiment tous pour m'avoir laissé filmer sur terre. Moi, j'adore ça. Et puis ça fait vivre ma petite chaîne. Et du coup maintenant on va se retrouver tout de suite pour pas faire roll qui est ici. On regarde tout de suite ça. Donc nous voici sur la parcelle de Ferrol qui avait été semée il y a 2 semaines de ça. Vous pouvez voir, bah, pour l'instant il n'y a rien au-dessus qui est sorti. De là que je suis, je vois rien qui est sorti. On va regarder sur le bord de la parcelle, on va regarder vite fait aussi, on va avoir un petit germe. Des plans de drone hein, également dans la vidéo. Somehow I woke up out in Beverly, fucked up, smelling like that bourbon, and I end up alone. I'm not certain. Yeah, the girls impolite in the club every night. That's how it goes when you Hollywood perfect. Hollywood perfect. Hollywood Carson. Out in Beverly, fucked up, smelling like that bourbon, and I end up alone. I'm not certain. Yeah, the girls impolite in the club every night. That's how it goes when you Hollywood perfect. Hollywood perfect. That's how it goes when you Hollywood perfect. Et bien nous voici sur les autres parcelles, donc la chicorée qui a commencé à repousser, mais tout doucement, parce qu'on est nous sommes vers l'hiver. Donc voici à quoi ça ressemble. Vestiges et tout. La précédente récolte. Voilà la parcelle. Donc, ça, c'est des cultures. C'est pas utilisé comme dans le nord et tout pour produire la poisson. Là, c'est uniquement pour les graines. Dans la parcelle où j'avais filmé les semis de carottes, donc voici, c'était en même temps que la recherche des pommes de terre avec le fent. Voici donc, ça n'est pas un endroit, il a simplement poussé tout, mais en général ça s'est enlevé. Voilà un peu la parcelle, donc là derrière. C'est la parcelle qui est allée, comme tout est, on est en bois de course.
Voilà, on se retrouve sur la parcelle que j'avais été avec Florent Plasmé. Enfin, je ne peux pas aider, hein. J'ai été là pour filmer surtout. Quoique, un jour, ça j'aimerais bien essayer un tracteur au travail. Je vais déjà essayer un tracteur, un T7 180S. Bah, c'était juste essayer sur un parking, hein, c'est pas... Mais je vais essayer un jour de travailler avec un tracteur à tout. Action simple, hein. J'ai jamais fait ça et tout. Donc, bref. Alors, nous voici sur la parcelle de blé. C'est du chevignon. Voilà une bonne petite parcelle. Tout à que le tas. Et je vous mettrai les dates que j'avais filmé et tout à chaque fois sur les plans. Parce que je sais plus du tout à quelle date exactement qu'il a été semé. Donc voilà un peu le blé. On va le voir un peu dans l'intérieur de la parcelle. Passons par les passages de traitement. En tout cas, j'espère que ce genre de vidéo vous plaise. D'ailleurs, parce qu'on est. Ça passait tout, des... Un petit coucou à Florian. Si tu vois cette vidéo. Ah voilà. Tu vois, tu m'en avais parlé et tout, de venir voir l'évolution de la parcelle. Voilà, aujourd'hui, jeudi, je suis en congé et tout, j'en ai profité pour faire la petite vidéo. Il y a toujours pas mal de cailloux. Bon. Alors, on va essayer un petit truc. Un peu la parcelle. Du coup, j'espère que ces quelques petits points vous ont plu. Moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo IRL. Il y a d'autres qui pourront arriver durant l'hiver normalement. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en aura quand même. Puis bon, moi, je vous souhaite une bonne semaine, un bon week-end. Ça dépend quand vous regardez la vidéo. Et on se renvoie très prochainement pour également de nouveaux lives ce farming. Même si ça, je freine beaucoup là-dessus parce que je vois bien que j'ai une communauté à regarder du farming. J'ai un nombre très peu de vues par rapport à mon nombre d'abonnés. Si j'arrive à dépasser les... juste à la fin de la diffusion et tout, si j'arrive à dépasser les 200 vues, c'est déjà pas mal. Ce qui fait quand même très peu pour plus de 2000 abonnés. Bon, en tout cas, moi, je vous dis à la prochaine. C'était Les Gréaliens. Ciao.